Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle je vais vous expliquer de A à Z tout ce que vous devez savoir sur la lombalgie et la sciatique chronique pour mieux la prévenir et la soigner. À l'issue de cette formation dans laquelle nous progressons pas à pas, semaine après semaine, vous disposerez de toutes les armes possibles, de toutes les synergies thérapeutiques et de bien-être que vous pourrez mettre en œuvre vous-même pour vaincre votre lombalgie ou votre sciatique chronique, ou au minimum améliorer votre état vertébral au mieux de vos possibilités. Pourquoi ai-je associé ces deux affections en apparence différente? Tout simplement parce que leurs causes sont les mêmes et qu'une lombalgie se transforme souvent en sciatique. Inversement, une sciatique peut conserver comme séquelle une lombalgie chronique. Les éléments en cause étant commun, les traitements seront établis sur les mêmes bases. Vous comprendrez tout au long de ces formations que votre corps est une machine d'une grande complexité, où toutes les parties physiques sont liées, et ceci de la tête aux pieds et des pieds à la tête, mais aussi et surtout dans laquelle corps et esprit sont étroitement intriqués à l'image du yin-yang de la médecine chinoise. Vous comprendrez rapidement que c'est d'abord par la connaissance de soi que vous apprendrez non seulement à vous soigner des problèmes d'aujourd'hui, mais aussi à vous préserver des problèmes futurs en adoptant une attitude santé durable. Cette attitude positive et active consiste tout simplement à adopter une hygiène de vie saine sur tous les plans, à prendre en charge vous-même votre santé avec l'aide bien entendu de praticiens qui vous dispenseront des soins techniques de leur ressort tels que l'ostéopathie ou la posturologie, dont vous devez connaître les bases et notamment les tests de dépistage. Vous saurez ainsi pourquoi et quand faire appel aux praticiens sans perdre de temps, car la précocité des soins de remise en ordre de vos structures mécaniques après une blessure, un faux mouvement, un effort abrège le temps de récupération et évite l'aggravation des lésions. Je ne vais pas vous demander dans cette formation de faire beaucoup d'efforts, mais de prendre conscience des modifications à apporter et d'effectuer tranquillement, à votre rythme, les exercices de la méthode qui sont à la portée de toutes et de tous, sans limite d'âge. Toutes ces techniques, tous les exercices que je vais vous apprendre et vous demander de faire, sont faciles et vous ressentirez très rapidement les effets bénéfiques. Je me les applique à moi-même et avec plaisir chaque jour. Ce qui au début nécessitait une discipline est devenu une routine. Mais lorsque j'oublie, je ressens que je vais moins bien, donc ceci encourage à continuer. Il ne s'agit nullement d'adopter un régime draconien, ni de pratiquer une gymnastique intensive 2 heures par jour, dimanche compris. Bien au contraire, il s'agit de se faire du bien, de se faire plaisir, de suivre un programme d'exercices facile, rapide, efficace, qui vous plairont même si vous n'aimez pas le sport et la gymnastique. Mais il faut aussi arrêter de vous faire du mal, par ignorance. Et c'est pourquoi il est urgent pour vous d'apprendre les bons et mauvais gestes, ou de le revoir si vous les avez déjà appris, car souvent un simple détail peut tout changer. Quand on vous apprend un mouvement, très souvent on le déforme et il devient un mauvais mouvement au bout d'un certain temps. Cette formation, je l'ai mise au point spécialement pour vous, pour vous permettre de reprendre votre santé à main. Tout d'abord, physiquement, en apprenant comment vous êtes constitué, comment fonctionne votre colonne vertébrale, quelles sont les bonnes et mauvaises postures, les bons et mauvais gestes. Vous apprendrez aussi pourquoi il faut faire traiter tout problème mécanique, même bénin, pour éviter son aggravation. Vous emmenez bien votre voiture chez le garagiste dès que vous entendez un bruit suspect dans votre moteur. Alors il faut apprendre à le faire, pour vous. Biochimiquement, en réapprenant à bien nourrir et hydrater vos cellules, vos cartilages, vos muscles, vos fascias, en changeant la façon de vous alimenter. Et psychologiquement, en apprenant à reprogrammer votre cerveau vers la guérison, en apprenant à gérer le stress, grâce à des techniques à la fois respiratoires et mentales, de la méthode que je vous expliquais, la méthode axitale. Sur le plan environnemental, vous devez impérativement améliorer votre environnement au travail, à la maison, et changer ce qui peut l'être. Dans le module 1, je vous apprends
d'une part à connaître votre terrain vertébral pour mieux agir, et les bases de la santé naturelle et durable, et pourquoi les synergies sont absolument indispensables si on veut un résultat durable. Dans le module 2, je vous explique les secrets de la mécanique vertébrale, des grosses pièces anatomiques aux tissus les plus fins, muscles, cartilages, nerfs, fascias, vaisseaux capillaires. Un véritable univers vivant qui n'aura plus de secrets pour vous. Dans le module 3, je vous explique la super synergie qui existe entre l'ostéopathie et la posturologie, qui est encore trop souvent méconnue et surtout sous-employée, aussi bien chez les enfants que les adultes et les personnes âgées. Dans le module 4, vous apprendrez les meilleures techniques du bien-être vertébral à appliquer vous-même. Le massage et surtout les points majeurs d'automassage. Les bienfaits de l'aromathérapie, par voie externe surtout, de la balnéothérapie, des compléments alimentaires ciblés, indispensables, des aimants fixes, polarisés, des ventouses chinoises à triple action et d'autres. Dans le module 5, nous passerons en revue vos habitudes et dépisterons ensemble les mauvais gestes ou mauvaises habitudes qu'il faut impérativement corriger sous peine d'échec ou de rechute. C'est aussi le module de l'ergonomie qui nous permettra de faire le point sur les positions de travail, le matériel le plus apte à éviter le mal de dos au bureau. Vous saurez tout pour agir sans risque en toutes circonstances. Dans le module 6, vous apprendrez à pratiquer le stretching vertébral. Vous ressentirez en quelques semaines ses bienfaits sur votre colonne et ses vertus anti-âge. Votre famille pourra trouver en vous un changement et pourra vous dire que vous avez rajeuni de quelques années. Dans le module 7, vous connaîtrez les secrets de la microcirculation sanguine et nerveuse, pourquoi le rôle est capital dans l'apparition de l'inflammation et de la maladie, mais surtout dans la régénération des tissus lésés. Dans le module 8, vous comprendrez comment vous pouvez pratiquer toutes les techniques pour décompresser vos vertèbres douloureuses, tenter de réhydrater et régénérer vos cartilages et vos disques vertébraux, soulager vos ligaments, fascias et muscles. Je vous parlerai également des divers appareillages que je conseille. Dans le module 9, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les bionutriments, comment choisir les meilleurs pour lutter contre l'inflammation et la douleur, pour nourrir vos cartilages, vos os, vos muscles, vos ligaments. Les bionutriments antioxydants peuvent vous aider à régénérer votre colonne vertébrale et ralentir le vieillissement et à fortifier votre flore intestinale, qui est la clé de beaucoup de douleurs et d'inflammations chroniques. Dans le module 10, nous verrons les techniques efficaces sans risque pour muscler votre dos et votre ventre, sans trop d'efforts et surtout sans aucun risque. Dans le module 11, je vous apprends les techniques de relaxation physique et mentale que vous devez absolument pratiquer chaque jour pour permettre à votre corps de résister au stress. Enfin, dans le module 12, je vous explique pourquoi vous devez, selon votre corps, selon votre métier, selon vos occupations et selon le sport pratiqué, protéger vos vertèbres des efforts et contraintes risquant d'entretenir ou aggraver vos lésions articulaires ou musculaires et faciales. C'est le plus souvent en l'absence de protection rapprochée que se produit l'accident. Vous saurez désormais tout ce qu'il faut savoir et faire. Pourquoi et quand. En fin de formation, nous ferons un récapitulatif pratique et bâtirons ensemble un programme à votre mesure. Si vous êtes convaincu, alors agissez tout de suite. Ce sera pour moi un plaisir de vous accompagner. Cliquez maintenant sur le lien ci-dessous pour accéder à votre programme de formation.